essentiel, oui, car l'acier n'est pas vraiment très pur. C'est un vulgaire alliage, le produit d'un métissage. Non, revenons à la pureté, à la matière noble, celle qui a fait notre sol, nos montagnes, la pierre. Ouvrier sidérurgiste, mes compatriotes, vous qui souffrez des heures durant devant le feu, quittez ces usines sombres, grises, crasseuses, ces usines sales, tristes, graisseuses. Oh, il y a longtemps que ce lac est passé du gris à la couleur. C'est fou ce qu'il y a comme idée reçue sur la sidérurgie. C'est normal, l'histoire est déjà longue. Ce qui surprend encore aujourd'hui, par exemple, c'est qu'une entreprise comme Solac gagne de l'argent. Eh bien oui. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que la sidérurgie évolue. Moi je le sais, ça fait 10 ans que je travaille à Florange. Et en 10 ans, j'ai vécu pas mal de changements. Au début, ça ressemblait un peu à une aventure. Maintenant, je vois bien où on est et je sais où on va. On va vers l'avenir. Dit comme ça, c'est bête, mais c'est si vrai. Vers une technologie toujours plus pointue, des nouveaux produits, une qualité toujours plus grande. Nous, on dit qualité totale. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Comment travailler autrement quand on est l'une des unités les plus performantes d'un groupe comme Usinor Sacilor, leader en Europe? Quand on est la première entreprise de sa région, on a des choses à prouver. Alors, on est un peu fiers quand même d'y travailler. Et ça, ça compte beaucoup pour un homme, pour une femme. L'homme, à Solac Florange, c'est un acteur. Un acteur de la réussite. Acteur. Ça, ça me plaît bien. Parce que c'est vrai. La prochaine, 223 d'épée. On est 5000 à Solac Florange. 5000 femmes et hommes qui avancent ensemble. L'image est belle. Mais c'est pas qu'une image. Et je crois que la réussite de Solac Florange tient à ça. La compétence et l'enthousiasme des gens. Et je sais que chacun y tient à cette réussite. C'est humain. Moi, j'ai investi dans la pierre. Mais mon grand-père le disait déjà. La pierre, il n'y a que ça de vrai. C'est durable. Et ça rouille pas. Ça rouille pas, monsieur des aciéristes. Ça rouille pas. Ils disent qu'avec l'acier, c'est plus simple. C'est plus simple. Et alors? Mais avec des valeurs comme ça, mais moi, je me demande bien où va le monde. Mine de rien, dans la cuisine, l'acier a une bonne part du gâteau. Avec l'acier, c'est si simple et tout peut devenir un jeu d'enfant. L'acier Solac, le premier ingrédient dans votre cuisine. Solac, à la source du bien-être. Il y en a pour qui les signes extérieurs de qualité ne comptent pas. Ça les regarde. L'acier Solac équipe toutes les voitures européennes. La qualité leur va si bien. Rouler en Solac? Oh, chérie, la salle de bain, viens voir, elle est superbe. Regarde, c'est du marbre. Mon chou, mais c'est divin. Mais
non, ma petite dame, votre baignoire, elle est pas en marbre. Si elle est belle comme ça, et facile à entretenir, c'est qu'elle est en acier sur l'arc Florange. Et tous ces atomiseurs-là. De l'acier Solac Florange. Et vos tubes de rouge à lèvres Christian Dior, c'est encore de l'acier Solac Florange. Oh, oh mais n'ayez pas peur, l'acier, c'est noble. Solac Florange, fais-moi belle. C'est où Florange? On se demande pourquoi certains ont un mal fou à s'adapter au progrès. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Oui, sans problème. Pour le bureau, Solac fait un acier qui s'adapte à votre efficacité. Solac, le mobilier métallique. Absolument, c'est parfait. Tester et optimiser l'acier de tous ces produits qui simplifient notre quotidien, il y a le LEDEP, un des centres de recherche de Solac. Je l'ai visité, moi. Oh, c'est étonnant. 150 personnes y travaillent. Les artisans de la qualité supérieure. Je les appelle comme ça. Ils conçoivent aussi, ils inventent, de nouveaux produits toujours plus performants. Et tout ça dans un but, satisfaire un client toujours plus exigeant. C'est essentiel. Il faut savoir devancer le progrès. Je vais en Lorraine. On m'envoie là-bas pour un stage de 6 mois. Moi ! Je supporte pas le froid. Ma santé va y passer. Et la fumée. La poussière. Je sais pas où c'est, moi. Mais c'est une décision politique. Pour montrer qui je suis, je reviendrai. Vivant! Hé, viens voir un peu chez nous. On peut toujours passer par la Lorraine, avec ou sans sabot. Et ça vaut le coup aussi de s'y arrêter. J'y vis depuis 10 ans et je m'y sens bien. C'est chez moi maintenant. C'est un beau coin, vallonné, verdoyant. Au cœur de l'Europe, tout près de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg. Au pied des Vosges. C'est une région qui bouge, qui vit de sa belle histoire et qui s'invente un avenir. Solac soutient le FC Metz. Normal. Quand deux grandes équipes portent les mêmes couleurs, ils sont animés par les mêmes valeurs. Elles se rencontrent. Il faut toujours trouver un esprit d'équipe, un esprit de groupe qui anime cette équipe et puis l'envie de gagner tous ensemble, ça c'est indispensable. Je pense que c'est toujours un challenge intéressant à relever et c'est ce qui nous motive le plus. On a une ambition certaine qui est de finir le mieux possible avec les moyens qui nous sont donnés et puis de viser toujours le plus haut possible, de regarder toujours vers le haut. Y aller en Lorraine. J'ai préféré démissionner.
pas eu. Maintenant. Maintenant, j'écris. J'écris un livre sur la pollution de la sidérurgie. La suie, bah, la fumée, ha, ha. Et la ferraille, hein? Qu'est-ce qu'on en fait de la ferraille? Rien. Ben, c'est pas biodégradable, ça. Chaque jour, Solac Florange recycle des tonnes de ferraille. C'est le premier maillon d'une grande chaîne. L'environnement, on fait pas semblant de connaître. On y vit, alors on ne va pas tuer nos rivières ou boucher notre ciel. Solac Florange investit beaucoup pour éviter les nuisances, pour fonctionner en circuit fermé, en traitant les eaux, en récupérant les gaz. Et aussi pour s'intégrer dans le décor des Lorrains. L'entreprise signe là son plus beau contrat avec sa région. Tonton, maman, elle dit que t'es malheureux comme une pierre ici. Elle dit que c'est dommage parce qu'on est bientôt dans le troisième millénaire et que c'est beau et qu'on devrait y aller ensemble. Alors, tu viens? Oui. Notre avenir nous passionne. Mais il doit nous appartenir. Et tout doit suivre. Les hommes, leurs compétences, les produits, leurs qualités, les technologies, leur développement. Tout suivra, forcément. Car nous voulons le vivre, et bien, ce nouvel âge de la sidérurgie. Il a déjà commencé.